ouais, ces erreurs bêtes qu'on peut éviter, ces erreurs que. C'est des erreurs que tu travailles souvent à l'entraînement et c'est des erreurs qui montrent encore un peu le manque de confiance qu'il y a à l'heure actuelle dans le groupe. C'est un peu des erreurs d'attitude, des erreurs de pas rester concentré pendant 80 minutes ou sur une chaîne de 6 tenues, rester concentré pendant 6 tenues. Donc, à un moment donné, à l'heure actuelle, tu les payes cash et à cause de ça, tu t'enfonces encore plus dans la godou. Donc c'est vrai que c'est très regrettable parce qu'on a fait des choses pas mal, peut-être pas des choses qui méritent de dire on a fait un bon match après avoir concédé 38 points, mais on a fait des choses intéressantes. Maintenant on arrive à mettre le doigt sur le bouton qui nous fasse faire ces choses intéressantes tout le monde pendant 80 minutes. Les erreurs aux dernières tenues, il y a pas mal de coaching, mais après sur ces erreurs-là, c'était plus est-ce que j'ai plus faim de me jeter sur un ballon et d'attraper le ballon plus que l'adversaire. Et dans notre attitude de défense aux dernières tenues, qui est une défense assez spécifique, on n'a pas été assez bon. Et après, il y a des erreurs techniques de timing sur des prises d'appel, sur des prises de balles, mais après, c'est assez simple. Le ballon est dans les airs, il appartient à personne. Il faut que tu te battes pour essayer de l'avoir avant que l'autre l'attrape. Donc c'est des phases un peu de transition. Ça nous coûte très cher, ça nous a coûté cher à Wigan. On a pris 3 à Wigan, on en prend 3 de plus contre Dursfield. Malheureusement, on a choisi les deux week-ends pour les deux plus mauvais week-ends pour être mauvais en last play, puisque un sous la pluie et un contre le meilleur buteur de la compétition, ça tu vas. Enfin, malgré toi, tu le payeras cash. Je pense qu'ils nous ont fait voir il y a 6-7 semaines. C'est un peu l'équipe qui on avait montré des prémices un peu contre Salford. Là-bas, on a mis vraiment un genou à terre, si ce n'est plus qu'un genou. Ils ont offert quand même un bon rugby. En première mi-temps, on avait pratiquement le match plié. On a fait pas mal de choses. On se prend un essai juste avant la mi-temps qui nous coûte assez cher pour le moral. Et en deuxième mi-temps, on prend l'eau complètement. Et je pense que c'est enfin, moi pour ma part, c'est encore dans ma tête. C'était vraiment le match référence de ce qu'il ne faut pas faire. On sait les qualités qu'ils ont. Ils ont Campesi, ils ont Kelly qui à l'heure actuelle joue en confiance, mais malgré le fait que les deux derniers matchs, c'est peut-être pas exactement ce qu'ils veulent offrir. Ils ont une équipe solide, mais. Une équipe encore une fois qui très similairement à nous se prend souvent 30 points malgré le fait qu'ils gagnent. Donc ils ont des points forts et ils ont aussi des points faibles. À nous d'exploiter ce qu'on peut exploiter.